Bonjour, mon nom est Chérine du studio Kiné Pilates. Aujourd'hui, je vous propose un programme que j'ai établi pour une personne qui a besoin de remuscler ses jambes. Elle a passé de longs mois sans bouger, donc elle a aujourd'hui besoin de retrouver sa musculature au niveau des jambes, mais aussi de retrouver un peu de souplesse dans son bas du dos, parce qu'à force d'être assise ou allongée, elle est restée un petit peu trop en tension. Besoin de retrouver aussi sa flexibilité au niveau des pieds. Et j'ai pensé à quelques exercices pour lui retrouver un petit peu de souffle et de travail abdominal. Alors c'est une première phase ici que je vous propose dans ce programme. Si par la suite vous avez envie de plus d'exercices, vous pouvez me contacter. Je vous propose pour un premier exercice de faire soit pieds nus, soit en chaussettes. Vous êtes assis sur la chaise. Et vous pouvez utiliser soit un bâton de balai, être bien assis, le plus au bord ce serait le mieux, parce que vous voulez vraiment pouvoir vous tenir droit. Et on va tout simplement faire rouler le pied sur le bâton, de gros orteils jusqu'au talon. On va vraiment rouler complètement. Si vous voyez que le rouleau roule trop, peut-être que vous avez besoin de mettre un tapis d'exercice sous le bâton ou sous le rouleau que vous avez trouvé. Si vous voulez mettre un peu plus de pression pour mieux sentir, il va tout simplement vous incliner en avant et poser vos coudes ou votre coude sur la jambe qui s'actionne. Sur le pied qui s'actionne. Puis si vous trouvez un endroit qui vous est un petit peu en tension, restez-y. Restez quelques instants et amenez votre pied en intérieur et en extérieur. Ça peut être douloureux. Ça, c'est logique. Hein? C'est normal qu'il y ait un petit peu des douleurs. Parfait. Et on va faire la même chose de l'autre pied. Donc, comme je dis, ce petit programme va être un programme de phase 1. Donc, réadaptation. On va ressentir à nouveau les muscles, retrouver les articulations, afin par la suite, progressivement, bien sûr, se mettre debout et commencer à muscler en position debout. Donc si vous avez une personne qui s'est blessée, qui n'a pas pu marcher pendant un moment, ou une personne d'un certain âge qui veut retrouver sa mobilité, cela peut être bien sûr des exercices qui peuvent être intéressants. Mais n'oubliez pas de demander à votre médecin traitant si ces exercices vous conviennent. N'oubliez pas que tous les exercices, quand même, les programmes complets, doivent être plus personnalisés. Alors, on reste sur un point. Je m'installe un petit peu plus mon poids du corps en avant et je fais un petit roulé en avant et en arrière pour mettre un peu plus de poids. Puis, je fais une rotation externe, une rotation interne dans la mesure de mes possibilités et puis la douleur, c'est sûr que c'est pas agréable, particulièrement au niveau de la voûte plantaire. Voilà, maintenant on va aller un petit peu plus travailler au niveau de la cheville. Alors, vous avez deux choix. Si vous êtes confortable, vous allez vous mettre un peu plus en fond de votre chaise et vous allez allonger la jambe, ce qui va nous permettre de faire travailler le quadriceps. Mais si vous voyez que ce n'est pas possible, vous pouvez tout simplement mettre un tabouret sous le pied et faire la même chose en levant juste un petit peu plus la cheville, parce que peut-être que vous n'avez pas encore assez de muscles au niveau des cuisses pour faire cette extension-là. Sinon, vous pouvez juste rester un peu plus bas aussi, pas de problème. Donc on va commencer par la rotation de cheville, on fait un cercle dans un sens, puis dans l'autre. On va aller vraiment chercher au maximum la rotation, on ne fait pas juste l'endroit qui est le plus facile, on fait l'endroit où justement ça devrait être plus facile, mais ça ne l'est pas. Puis là on va pointer un peu plus au niveau de la balle du pied que de stresser les orteils. Et pied flex, ça veut dire que la balle du pied elle veut aller vers le ciel, le talon vers moi. Et pointer. Et flex. Fait que là, on fait aussi travailler au niveau des genoux, les muscles ici. On sent les quadriceps, mais encore une fois, si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez toujours le faire assez proche du sol. On fait la même chose avec l'autre pied. Fait que même chose, rotation de cheville d'abord, plus ou moins basse au niveau du pied selon la force que vous avez dans les jambes. Mais ça, vous en faites pas, on va le travailler. Si vous sentez que vous êtes faible en ce moment, plus vous vous tenez droit, mieux c'est.
Vous pouvez toujours utiliser plusieurs coussins derrière votre chaise hein, pour vous aider justement à vous tenir plus droit. Des coussins un peu épais quand même. Changez le sens de votre cheville. Parce que vous voulez vous tenir droit, vous ne voulez pas vous affaler. Parce que si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas vraiment travailler correctement. Donc c'est nécessaire. Là, on va pointer le pied et pied flex. Donc pointer, étirer les orteils vers le ciel, le talon vers moi. On veut vraiment éviter d'avoir les orteils trop vers soi parce qu'on ne veut pas qu'ils se stressent. On veut allonger. On veut effectivement aussi travailler au niveau des mollets. Ah, on le sent d'ailleurs. Voilà. Là, on a déjà travaillé un petit peu les pieds. On va passer à autre chose maintenant. Alors maintenant, on va aller chercher un exercice pour stimuler la respiration et stimuler les abdominaux. C'est un exercice extrêmement facile, mais qui demande quand même de la capacité. Donc, c'est pas peut-être la première fois, vous n'allez pas trouver ça évident, mais c'est un exercice facile pour recruter les abdominaux. Donc là, on a un ballon de fête, hein, ballon d'anniversaire, et on va tout simplement prendre une bonne inspiration par le nez et on va expirer et souffler jusqu'à plus d'air en rentrant le plus possible le bas du ventre. Hein, vous voulez vraiment sentir que c'est au niveau du bas du ventre que ça se contracte. Okay, comme si vous videz de votre air, mais à partir du bas du ventre. Alors on est parti. On inspire par le nez. Et on relâche. On aime ça faire ça. Fait que, on va le faire à plusieurs reprises, mais cette fois-ci sans lâcher le ballon pour essayer de le gonfler au plus possible. Allez-y progressivement et n'oubliez pas, vous inspirez par le nez, vous soufflez, mais en contractant le bas du ventre. Vous vous tenez le plus droit possible, encore une fois, vous n'hésitez pas à mettre des coussins derrière le dos pour avoir un beau dos droit et allongé. Alors, on est parti. On inspire par le nez. Deux ou trois fois d'affilée, vous pouvez le faire pendant la journée, ça va vous permettre d'aller travailler le souffle. Ça c'est très important, avec l'âge on perd sa capacité respiratoire, particulièrement pour les gens qui ont eu tendance à beaucoup fumer. Je pense à ma grand-mère qui justement a des problèmes de capacité respiratoire, c'est le genre d'exercice qu'on lui donne à faire. On a dit qu'on allait travailler un petit peu le dos parce que c'est sûr qu'à rester tout le temps assis sans marcher, on fait moins bien fonctionner sa colonne vertébrale. Donc pareil, vous êtes assis pour le moment. Aujourd'hui, c'est que des exercices assis. Votre bas du dos soit bien soutenu, mais que votre haut du dos puisse rester mobile. Donc les jambes sont face à moi, les pieds largeur de votre bassin ou un peu plus large, moi ça ne me dérange pas. Mais surtout les pieds au sol. Donc si vous voyez que vos pieds ne sont pas assez au sol, soit vous mettez quelque chose sous vos pieds, quelque chose de haut, ça peut être une petite stepette. Mais idéalement, vos genoux et vos hanches sont bien alignés. D'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille souvent aux gens quand ils vont acheter des chaises ou des divans. Si vous n'avez pas un bon alignement des genoux quand vous regardez la télé ou quand vous travaillez, c'est certain que vous allez avoir des risques de problèmes de bas du dos, de tension au niveau du bassin, tension sacro-lombaire. Maintenant qu'on a respiré dans le ballon, on va faire la même chose. On va inspirer par le nez. Et en expirant, on va se tourner vers la droite. Vous pouvez toujours placer, si vous avez un dossier de chaise, vous adossez de chaque main sur le dossier de chaise et tournez. Vous pouvez tourner un peu la tête si vous êtes à l'aise. Et vous revenez. Donc vous inspirez par le nez, vous expirez de la même manière que vous l'avez fait avec le ballon, en contractant le bas du ventre. Vous inspirez dans la position et vous expirez, vous ramenez. Parfait, on le refait. Je vous montre si par exemple vous avez un dossier de chaise, ça va être pareil. Hein. On inspire par le nez, on expire, on s'accote de chaque côté, on tourne si on veut. On va un petit peu plus loin avec la tête et on ramène. Encore, inspirez par le nez, expirez à gauche, inspirez, expirez, on ramène. On le fait encore une fois de chaque côté, inspire, expirez, inspirez, restez,
Expirez. On n'oublie pas, on souffle avec la bouche ouverte, exactement comme on a fait à l'instant avec le ballon. Expirez à gauche. Inspirez, restez. Et expirez, on ramène. Et enfin, un dernier exercice, encore une fois, pour étirer la colonne vertébrale, mais aussi étirer ce qu'on appelle ici les muscles carrés des lombes. Vous pouvez les voir sur la vidéo. Et aussi le grand dorsal. Ce sont deux muscles particulièrement tendus. Et beaucoup, quand les gens ont tendance à s'écraser sur un seul côté. Donc du coup, il y a un des côtés carrés des lombes qui est très tendu, très contracté. Et l'autre qui est un petit peu trop loose. Donc ça fait du bien de s'allonger. Enlever le bras gauche vers le ciel, grandir en inspirant, puis on peut s'accoter au dossier de sa chaise, puis s'étirer vers le côté opposé, donc vers la droite. Puis là, on veut aller respirer ici dans nos côtes, on met de l'air. En expirant, on ramène. On fait la même chose de l'autre côté. Le bras droit s'étire et on peut toujours s'adosser à notre chaise sans soulever les fesses, on se grandit. Et les pieds sont bien groundés au sol. Hein. On inspire, on ouvre dans les côtes, hein, on gonfle d'air notre corps. Et on expire, on contracte le bas du ventre. Lâchez pas en fait. Inspire, expire. Inspirez profondément. Expirez, on revient. Encore. Inspire. Expire. Inspirez profondément. Expirez, on revient. On va faire une toute petite variante qui va un petit peu plus aller chercher le grand dorsal. Inspire, bras gauche, expire. Puis là, vous allez rester là et tout simplement tourner un petit peu votre buste vers l'intérieur. Donc vers les cuisses, juste un peu. Et vous allez sentir, ça tire un petit peu plus en arrière. Puis là, vous allez respirer, là, vous allez amener de l'air dans cet étirement. Et revenir sur le côté. Et revenir, ce sera vraiment un tout petit mouvement de pivot. Hein. On inspire, on allonge, expire et on s'installe sur le côté. On se grandit, on respire dans les côtes. Puis en expirant, en soufflant, on s'enroule. On inspire, on reste. Et on revient sur le côté en expirant. Et on remonte tout doucement. Voilà. Fait que pour aujourd'hui, bah notre phase 1, c'est... Donc on va continuer peut-être sur une ou deux séances à faire de nouveaux exercices en position assise avant de commencer des exercices debout. Voilà, alors vous pouvez pratiquer ça tout simplement tous les jours. Il n'y a aucun problème à le faire tous les jours. Le temps et la durée de cette séance suffira. Mais le plus important, c'est de le faire très régulièrement. Parce que ça va nous aider à reconstruire et à réveiller à la fois les muscles et les articulations. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'un entraînement plus adapté à vos besoins, vous n'avez qu'à nous contacter sur le site internet www.kinépilates.com. Merci, à bientôt.